Stop aux déjections canines. Voici la campagne choc lancée par le Conseil municipal des jeunes de Thionville. Et c'est à partir de mises en scène ludiques, filmées et photographiées que les jeunes élus ont exprimé leur ras-le-bol des crottes de chiens dans le but de sensibiliser leurs propriétaires à les ramasser. C'est trop dégueulasse. Les sachets de la ville, ils sont distribués dans tous les coins de rue. On peut en trouver aussi à l'accueil de la ville. On a fait une sorte de calcul. Et grosso modo, en fait, tous les chiens de la ville de Thionville, les déjections qu'ils font par an, c'est équivalent au poids d'un cachalot, c'est-à-dire 50 tonnes. Donc c'est quand même énorme. J'ai marché sur une crotte sans faire exprès un moment. Et puis c'était dégoûtant et puis tout le monde s'est moqué de moi. Dans mon village, il y a une petite ruelle pour aller à l'école et qu'il y a tout le temps plein de crottes et qu'il y a des sachets pas loin. Et que s'ils ont été mis là, c'est pas pour rien. Ben ce matin, en venant à l'école, j'ai vu une crotte juste en face de moi, juste en face de l'école. Et ça m'a un peu dérangée parce qu'il y avait les sachets de crottes peut-être 50 mètres plus loin. Et ça m'a dérangée parce qu'il y en a presque partout. Puis ils font même pas attention. Ça peut être dangereux et en plus embêtant. Donc voilà, il faut aussi utiliser de ça. Puis j'aime ma vie. J'aime ma vie!